Mesdames et messieurs la famille, nous souhaitons bienvenue sur la plateforme Pola. Bienvenue sur la plateforme Actualité à Channel d'information Gros Réseau TV. Une plateforme qui gagne pour mission à chercher information quel que soit côté lié en dans pays pour porter ba ou en dans salon la caille ou même. Ou même qui c'est haïtien qui vit en Haïti ou l'autre bord de l'eau qui t'a remis toujours été informé ou gain intérêt pour abonner ensemble avec Channel ça sous vidéo ça même. Oui, abonner. Et l'on fin abonné. Pas oublier tout peser petit cloche notification retirer sous personnalisé mettre le sous tout une façon pour capable être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, c'est toujours un immense plaisir pour nous entrer la carrière pour capable porter baou toute dernière information qui a dominé actualité pays d'Haïti tant sur le plan local et sur le plan international. Sans plus tarder, n'a pas directement en dans développement information yo pour charger pas camper rallez-ti chez vous. Montez volume, en attendant audio ça ensemble pour plus de détails. Est-ce que la situation sécuritaire pays a amélioré ou bien a détérioré? Avant France LBT prend tête la police là, qui sa réalité pays a été sur le plan sécuritaire? Et pendant 2 ans, qui sa réalité a été? Qui sa la police là a mené comme opération d'envergure pendant 2 ans commandement, M. LB? Nous avons dit qui gros gang qui t'a bail problème pendant 2 ans ça et que la police arrive démanteler pendant 2 ans ça souvle qui chef gang la police arrive arrêter qui gang influent la police arrive écraser qui zone bandite prend et puis la police arrive intervenir et puis récupérer zone là il a trié. Son ensemble de paramètres que nous sommes capables de baser sur eux pour qualifier le bilan de France LB pendant ces 2 ans à la tête de la police nationale d'Haïti. Il y a 2 volets où nous capables d'évaluer commandement M. LB. D'abord, un volet administratif qui s'est fait à l'interne pour permettre que l'institution soit fonctionnelle. Pour permettre que l'institution continue à exister. Et deuxième volet, c'est peut-être ça qui concerne l'opération, qui ça la police mené comme opération dans le cadre de bataille et cap fait, soulevé, soit contre le grand banditisme, ou bien d'une façon générale, contre le phénomène qui est l'insécurité généralisée. Donc, qui ça a mené, qui m'ont arrêté, qui mes amis ont saisi, combien de données ont dématé, j'aime bien dire tout à l'heure, combien drogue tout arrivé saisi, matériel arrivé confisqué et latrié. Par exemple, moi j'ai gagné des données qui sortent beaucoup de institutions la police là qui viennent joindre moi. Mais ces données concernent surtout 2e année France LB dans tête la police là. Pas bien me dit c'est 2 ans, il y a 2021-2022 et puis il y a 2022-2023. Pour 2022-2023, selon l'institution policière, à l'interne, dans ce qui concerne le volet administratif, là, ils ont estimé que pendant 2e année, ça, directeur général France LB, arrivait à assainir, si vous voulez, finance la police là. Dans le sens que, l'ensemble de chèques et ministère de l'économie et des finances, vous voyez bah la police pour des gens qui viennent toucher et vous constatez que les gens n'ont pas existé encore ou tout au moins chaque ça va rien mettre. Donc selon la police, donc monsieur LB menait gros bataille pour permettre que chaque ça retourne dans le trésor public là pour pas utiliser faire recoucher sans être capable de briller dans le langage donc on est un chèque zombie. Vous estimez pendant cette 2e année du directeur général France LB, il y a même scénario à tout qui produit pour les cadres de débit. Par exemple, il y a des cadres qui ont alimenté l'homme des métiers au il ne va exister pièce côté. Alors, ce que tu as une possibilité, si nous avons un rapport fait sous ça, qui soutient beaucoup de plumes enquête et enquêteur ULCCE, il y a des lots de jours de l'administration, selon la police, qui ont fait de l'autre bagarre avec eux, mais ils disent nous, France LB prend les retourner dans le ministère
finance. Toujours dans ce qui concerne assainissement et institution police, là, je dis qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de gestion, qui sont des règles tout de passation de marché public. La police a bien pour faire des achats ou bien pour contracter avec de l'autre institution. Il y a des mettre comme balise pour éviter qu'il y ait un gabegie administratif, une corruption dans l'institution et la trier. Ça, c'est des données officielles que je dis pour la police. Nous allons venir sous considération après. Je parle tout de assainissement dans la question effectif la police là. Par exemple, je vais essayer de garder qui sa liste policier qui actifie, policier qui arrive à abandonner poste pour des raisons X, Y, policier qui mourit, ou le policier ou juste constaté qui pas venu encore pour l'autre raison. Hein. Gen un ensemble de cas de dérive, vous expliquez que la police est conscient de yo et de violations soit de droit ou de la loi. Eh bien, il y a eu un ensemble de dossiers qui ont rapport avec ça, notamment question règlement à code éthique et déontologie policière. Bon, l'autre volet, ça y est, la police qui a parlé, c'est pourquoi moi j'ai parlé, elle m'a parlé à Mabdinou, qui concernait sa motivation personnelle policière. Par exemple, la police a annoncé pendant la deuxième année, ça a gagné un prime de risque qui a augmenté pour les policiers. Pour être capable de faire face carré plus bien souvelé avec bandits puisque on rend compte un ensemble de policiers effectivement qui apparaît vulnérables notamment sur le plan financier dans un contexte socio-économique et sécuritaire qui est difficile. Il a parlé de décret sur sa relais indemnisation des policiers victimes ou de la famille des policiers victimes pour garantir une prise en charge adéquate victimes ou à famille après au fin engagé dans la bataille ardue contre les gangs armés criminels. Ça veut dire que ça, bon décret qui sorti là, qui permet de prendre des dispositions pour accompagner soit policiers victimes ou bien famille policiers victimes pour capable garantir et bien en prise en charge bien entendu digne de ce nom après au fin victime sous champ de bataille. On va laisser regarder ça avec les deux syndicats de la PNH, à savoir là, c'est le SINAPOA et puis le SPNH 17 pour nous regarder qui ça bagaille là. L'autre mesure qui prend la question motivation personnelle policière, je dis une proposition pendant deuxième année ça qui fait proposition de décret sous ça le reclassement à retraite policier dans l'idée pour capable garantir une carrière professionnelle sereine n'a cité reprendre combattre insécurité économique là et puis contrer souvler ça relève augmentation cas d'abandon dans l'institution pendant faire promotion en politique de rétention du personnel. Maintenant gros moment Pemba, c'est peut-être ça qui intéressait la population qui intéressait la République, c'est dans ça qui concernait opération que la police a mené souvler intervention policière. Par exemple, la police a annoncé jusqu'à de l'année 2022-2023 commencer jusqu'à 21 octobre 2023 ça là, eh bien opération va continuer selon la police contre les gangs qui gagnent gros âmes femmes fois dans main yo. Gagnent disposition qui prend au niveau de la police pendant deuxième année ça pour empêcher que gangs déployer dans série de zones qui déjà sécurisé. La police a annoncé pendant deux ans ça tout gagné des arrestations qui fait neutralisation de plusieurs membres gangs qui ont même été engagés dans une série de offensives contre population notamment dans une série de quartiers stratégiques en dans pays tout au moins dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Il y a parlé tout de récupération par la police de plusieurs armes avec fusils d'assaut, fusils de gros calibre. Il a parlé de saisie de plusieurs milliers de munitions. Il a parlé de arrestation de plusieurs présumés criminels notoires et d'autres individus qui soupçonnaient d'activités criminelles ou de complicité dans ces activités et que la police a cherché à cocher fou de concert avec la justice. Ça, c'est ça la police estimée qui fait notamment pendant cette deuxième année du directeur général M. Franz Elbé à la tête de l'institution policière. Même si moi-même, notamment dans le volet opération, je me sens manquer précision. Par exemple, si vous dites comme ça, vous faites des arrestations, vous comprenez, maintenant, vous comprenez, peut-être mettre un chiffre, vous comprenez, même si sous ça, vous comprenez, vous comprenez, madame Dola,
Et sous dix mois récupéré, par exemple, des armes de gros calibre, d'ailleurs, on est connu pendant deux ans, mais ça, on comprend qui. Quantité d'armes qui saisit, quantité de munitions qui saisit, qui nous ont dit, nous vivons, et la trier. Ça, c'est des bagages que nous allons maintenir avec deux syndicats, la police, à savoir, Sinapoa et puis SPNH 17. Maintenant, nous avons évalué. France LB gen deux façons qu'a évaluer. Ou qu'a évaluer par rapport à lui-même, la personne de France LB, un policier de carrière qui vivait prend tête institution dans un contexte particulièrement difficile.